Good morning! Bon, c'était pas un serpent. J'ai bien dormi, j'en avais bien besoin. Je me prépare et je vous fais une petite introduction. Regarde comme c'est bon. Donc oui, c'est une cascade qui est juste en bas. Voilà, réveillée, habillée à peu près. Donc priorité du jour, trouver comment avoir internet dans la chambre, parce que sinon pour poster sur Telegram, pour même charger les vidéos, tu vois que je veux vous charger ou assurer mes coachings, ça va être compliqué. Et je démarre le jeûne demain matin pour 7 jours, donc je vous ferai des updates régulièrement, peut-être pas tous les jours. Je vous montre un peu l'environnement, je trouve ça magnifique. Donc là je suis dans un bungalow où j'ai jamais été. Je vais faire un tour après, ça sera mieux. Et voilà, je suis contente d'être ici. Mais du coup, beaucoup de fatigue, hein, si on ne fait pas un détox pour rien. Beaucoup de fatigue accumulée qui doit être maintenant nettoyée. À plus. Alors, petit room tour, simple et efficace. Donc, j'ai la chambre 7. Je ne l'avais jamais eue, celle-là. Celle d'à côté est en travaux. J'étais allée plus bas avec mes enfants, mes mauvaises idées, hein, détox avec les enfants qui mangent du chocolat autour. Il me manque encore, j'ai plein de souvenirs ici avec eux. Voilà la chambre, moustiquaire indispensable. Donc c'est tout petit, tu vois. Évidemment, pour ranger les affaires, c'est pas évident. On en prend toujours trop. Et surtout, super terrasse. Vue sur la piscine, et ce que t'entends, c'est la cascade. Donc là, il faut faire attention, tu vois, parce qu'il n'y a pas de balustrade. Voilà, je vous amènerai à la cascade aussi, j'irai. Et j'adore cet environnement végétal très intense. Regarde. Donc, priorité Internet, je vais y arriver. Hein. Sinon, c'est détox Internet aussi. Et là, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Je vous fais un petit tour. Là, avant, c'était des salles de soins. Je ne sais pas si ça l'est toujours. Je pense qu'elles sont plus de l'autre côté maintenant. Tu vois, elles réparent. Parce que c'est pas tout neuf, tu vois, si ça fait 16 ans que je viens. C'était construit peut-être depuis 10 ans, tu vois. Cette piscine que j'aime beaucoup, il y en a une autre moderne plus haute au-dessus, puisque ça c'est l'ancienne partie de l'hôtel. Mais j'aime bien, j'ai de bons souvenirs avec mon Gatsby plus petit et Gaspard et puis toute seule aussi. Et là voilà, c'est plus très propre. Bon, ça n'a jamais été très propre, hein, c'est un cuisseau avec un peu de stagnant. Je pense que je viendrai lire là tout à l'heure. Ce que je voulais te montrer, donc l'eau tombe de là, d'où le bruit. Je ne sais pas si tu entends ma voix.
et c'est assez profond. Donc là, ça tombe que d'un côté. Il gère le débit, parce que tout est à eau brute fait pour l'irrigation. Tu vois, et du coup, ça fait une végétation extraordinaire. Quand j'étais avec les enfants, on était dans ce bungalow là-bas. Tout se joue sur le mental. Je prends un papier juste là pour écrire quelque chose pour le coaching que j'anime tout à l'heure. Et je suis en deuxième journée, tu vois, donc c'est la plus dure. C'est là où, si tu fais pas gaffe, tu peux te faire embarquer. Et qu'est-ce que j'ai trouvé du... Je vous partage, hein, ça m'aide. Du Nutella que mes enfants avaient dû mettre dans mon sac lors d'un voyage en avion. Donc il me tarde qu'ils vident la poubelle. Voilà, parce que, si tu veux, j'ai rien mangé depuis 48 heures. Et tu trouves, tu mets la main sur du Nutella, vaut mieux pas, tu vois, vaut mieux pas. Donc là, je devrais faire une sieste, mais je dois préparer un truc pour mon travail. J'adore mon travail, donc je fais l'effort, mais après, je me repose plus. Je vous embrasse. Là, je peux filmer un peu plus. Je n'étais pas bien en J3, en J4. Hein. Et je vous ai fait un live qui est chez les réinventeurs où je donne tous les détails techniques du détox. Et là, j'arrive pour le dinner. C'est du jus, hein, bien sûr. Mais regarde, ils sont super spécialisés en jus. Et donc, s'il y a des gens qui mangent, tu vois, ils se mettent là-bas. Et... quand tu jeûnes, moi j'aime bien, je me mets sur les banquettes, il y a des banquettes là, il y a des banquettes là-bas. Tu vois, l'endroit est magnifique, il y a toujours une bonne musique.
Voilà, donc je vais aller choisir mon jus, mais c'est pas un jus, je vais prendre un broth. Un broth, c'est un bouillon très léger. À plus tard. Alors, je clôture ce vlog juste avant de démarrer mon live. Donc, ça fait 7 jours sans aucun aliment solide, juste avec des jus, des tisanes. J'ai mangé mon premier repas solide ce matin avec quelques fruits, 2-3 fruits et un œuf au plat pour m'apporter des protéines, c'est important, que j'ai bien mâché parce qu'on a l'habitude de ne pas assez mâcher, pardon. Et comment je me sens? Ben, je me sens formidablement bien. Les bénéfices de ce détox sont vraiment au départ la santé, hein. On sent la vie complètement revenir en soi. Et puis également, le corps se répare puisqu'on enlève les toxines. Et enfin, j'explique tout ça dans les réinventeurs, hein. J'ai fait un live qui sera remis en permanent. C'est pas l'objet du vlog, hein. Tu vois, l'objet du vlog, c'est vraiment de te donner envie de venir pour les détails techniques. C'est important de voir tout ça avec les réinventeurs. Et donc, dans les bénéfices aussi de la clarté mentale, une guérison émotionnelle. Évidemment, le petit bidon qui me gênait depuis 2-3 ans est parti. Et je suis bien décidée, parce que si tu veux, quand tu n'as rien mangé de solide pendant 7 jours, c'est pas très difficile après de résister à un carré de chocolat ou à un petit gâteau. Donc je suis bien décidée, maintenant que j'ai sorti beaucoup de toxines de mon body, d'avoir beaucoup plus de discernement pour ceux qui rentrent, donc dans mon alimentation, dans mes énergies, etc. Et voilà, c'est tout le bénéfice de ce détox. Donc je vais en live maintenant pour parler de la façon dont le monde a basculé. J'ai beaucoup de choses que j'ai depuis longtemps en tête que je n'osais pas partager. Et bien tu vois, je vais le partager tout à fait librement avec ce magnifique collier que j'ai trouvé ici. C'est une Israélienne qui est depuis longtemps ici, une créatrice de bijoux qui fait ça. Voilà, ça va m'accompagner. Donc je passe en live, je te dis à bientôt dans un prochain vlog où ben, tu vas pouvoir suivre justement l'évolution. Est-ce que j'active bien ce discernement par rapport à mon alimentation? On va le suivre ensemble. Si j'échoue, je te le dirai. De toute façon, si j'échoue, je reviens ici, hein, et rebelote. Et clairement, mon intention, donc là, tu vois, ça fait la semaine de jeûne, c'est une semaine. Je dois faire avec beaucoup de discernement la gestion de cette deuxième semaine. Ce qui va être délicat, c'est la semaine où je vais rentrer chez moi. Mais ça fera déjà 3 semaines. Donc 3 semaines, tu commences à avoir de meilleures habitudes. Et puis après, il faut valider tout ça sur 3 mois. Yes, yes, yes. Love, love, love. Ciao, ciao.
from Ubud, Brittany. I was met with Jelati around 2019, and she really pushed me doing online business to selling my product online. And do you know, it's really worked well for me. Thank you very much, Jelati. You really helped me.